C'est mieux. C'est beaucoup plus dynamique. Tu as, as, as eu raison de le refaire. Parce que là, ça, ça commence à ressembler au film. <rire> <rire> Let's play ball. Salut les amis, salut mon Guillaume. Salut mon fod, salut les gens. Il est l'heure magique. Alors aujourd'hui, on va anticiper les fêtes de Pâques. On va vous parler d'un film avec des oeufs, ouais. D'un film qui nage sur des oeufs. On va vous parler de Cocoon. It is everything you dreamed of. It is nothing you expect. Oh, I'm keep a secret I won't tell anybody. It's hard to know who to trust. It is the mystery of an awesome secret. It is the miracle of everlasting life. We'll never be sick. We won't get any older and we won't ever die. Beyond the innocence of youth and the wisdom of age lies the wonder of cocoon. <laughs> 20th Century Fox presents. Un film de Ron Howard sorti en 1985, un film que j'ai découvert très jeune, que j'aime beaucoup et pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. Toi, par contre, Guillaume, tu viens de le découvrir. Tu l'as vu tout récemment pour le show. Ton avis à chaud eh ben, je trouve que c'est un film de vieux. Je trouve que c'est un film où l'état d'esprit du réalisateur à l'âge avancé des artères de ses personnages. Mais remarque, c'est normal, c'est un film de Ron Ward. <laughs> Alors moi, c'est marrant, tu vois, à ton inverse, à l'inverse de toi, j'ai encore beaucoup de tendresse pour Cocoon. Et c'est une, une tendresse qui n'a jamais faibli avec le temps. Je l'ai en Blu-ray, il est sorti dans un très beau Blu-ray, euh, Carlotta. Euh, c'est un film que j'aime me repasser tous les 5-6 ans. Alors ton, tes propos sont intéressants parce qu'il y a du vrai dans ce que tu dis, on va en parler, c'est un film qui est, qui est plein de défauts. Euh, une production Fox, produit par les deux Lascar, Richard Zanuck et David Brown, deux producteurs de légende. On reparlera d'eux dans leur magique. Alors Cocoon, sorti donc au milieu des années 80, qui fait partie un peu de, cette, de ces films sortis dans le sillage de E.T. Des films comme Starman, par exemple, Explorers. On a eu aussi Enemy, de Wolfgang Peterson, c'est-à-dire des films de SF avec des extraterrestres bienveillants, ouais. des extraterrestres, des espèces de féeries extraterrestres comme ça. Euh, Cocoon est un peu, voilà. Et dans ce, ce courant esthétique-là, il est adapté d'une trilogie de romans de David Saperstein, euh, qui, intitulé Cocoon. Et euh, c'est un film Madeleine un peu. Hein, c'est un film des, un peu Madeleine des années 80, un peu comme les Goonies, bien que moins, moins renommé, hein, qui fait l'objet ouais. d'un culte moindre que, que les Goonies. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. On va le voir ensemble pourquoi. Et on va comparer nos, nos points de vue. Alors, Cocoon, de quoi ça parle Nous sommes en Floride, dans une maison de retraite. Une bande de joyeux drilles, pensionnaires de cette maison de retraite, euh, s'ennuient, attendent la mort et. Euh, leur seul petit plaisir, c'est de faire le mur et d'aller squatter la piscine d'à côté, dans une villa euh, abandonnée. Seulement, voilà, un jour, cette villa a de nouveaux locataires, des extraterrestres de la planète Antares, qui utilisent cette piscine pour y entreposer d'étranges cocons qui ont le pouvoir de ra rallonger la vie c'est le quasiment unique scénario de Tom Benedek, scénario un scénariste qui a pas fait grand-chose depuis. Alors ce qui est intéressant à la différence des films que j'ai mentionnés au début du show, c'est que dans Cocoon, eh bien on a des c'est un film qui met en scène des... des personnes âgées quoi en fait, qui a pour héros des personnes âgées et pour l'époque c'est assez appréciable on est dans les années 80 hein. Donc les films de SF sont peuplés d'enfants d'adolescents. Les films d'action sont peuplés de héros bodybuildés. Rambo 2, Commando de Arnold Schwarzenegger. Sauf les justice de la ville où Charles Bronson était déjà grabataire quand il a tourné 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. C'est vrai, c'est vrai. L'exception à la règle, c'est vrai, Charles Bronson. Mais ce qui est intéressant à Cocoon, c'est que c'est un film qui filme la vieillesse. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans le cadre du divertissement mainstream hollywoodien, c'était assez rare pour le, pour le signaler. Et qui plus est, on a en face de, de, de nous, enfin, on a à l'écran des légendes d'Hollywood, en tout cas des mmh. très grands second rôles, mmh. des très grands acteurs de, de, de Broadway, des très grandes actrices, à commencer par euh, Donna Mitchell Hume Cronin, euh, Jessica Tandy, il y a Maureen Stapleton, il y a Jack Guilford, il y a, euh, y a euh, Gwen Ouf. Verdon. Le moustachu, le, 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 le moustachu costaud, il s'appelle comment Ah, alors lui, c'est mon préféré, j'adore, c'est Wilford Brimley. Everyday should start with Quaker Oats. Oatmeal is back in the news. Doctors confirm again, if you're on a low fat diet, oatmeal can help reduce your cholesterol. And oatmeal, of course, has no sodium. Also... Now there's some good news for you. Of course, I've known that for a long time. I learned it by making Quaker Oats part of my own diet pour mon propre bonne santé ma propre bonne santé et juste me sentir bien tout et ça va Et ben Willford oui, dribbler pour moi ça sera, ça sera toujours l'oncle Douve de Jean-Claude Roddam dans chasse à l'homme le ca, le Cajun le plus badass de toute l'histoire du cinéma de Louisiane j'adore Wilford Brimley c'est ah, c'est papy gâteau quoi c'est papy un... brossard j'adore et c'est un pilier tu vois tu vois le mec, est il, est, il est solide il est ancré il tient ah. les murs C'est un bonhomme quoi tu vois ça, ça manque ça manque ce genre de perso c'est vrai alors Wilford qui avait à peine 50 ans à l'époque du film. Hein. C'est pas vrai? Plus, je te jure, c'est le plus jeune du cast. Il avait 49 ans au moment du tournage. Mais non! Je te jure. Mais Wilford, il a toujours été vieux, tu vois. Vrai, ah, le... Même dans The Sing qu'il a fait avant, sans ouais. la moustache, il a toujours il a une tête de papier gâteau, tu vois, très Et... très tendre. Ah, Et ouais, il s'est mais... fait blanchir les cheveux hein, pour le film. Hein. Ah, pourtant, il les porte bien, putain. Il a vraiment... Lui, par contre, il a loupé la, la, la cure des jouvence. Hein. Il n'est pas, pas tombé dans le puits. Hein. Ah, c'est clair et oh, alors oui. tu parlais d'un mec euh, d'un costaud c'est pas un acteur hein. Wilfred Brimley il est pas ouais. acteur de formation c'est un monsieur qui, qui a fait il a une carrière incroyable il, il, il s'est engagé dans les Marines ouais, ça euh, ensuite il a été maréchal ferrant pour les chevaux, qui, les chevaux des séries télé et du cinéma d'accord il ferait les chevaux qui jouaient dans les films et euh, sur un film il a rencontré Robert Duval ok il, il s'est fait ami avec Robert Duval et c'est Robert Duval qui, qui l'a coopté il l'a mis le pied à étrier, si je puis dire, c'est le cas de le dire, et qui a poussé Wilford Brimley, parce qu'il le trouvait attachant, c'est vrai que c'est un personnage quand tu le vois et qui lui a permis de démarrer une carrière euh, d'abord à la télévision et ensuite euh, au, au cinéma. Je suis choqué, je suis choqué de voir le je... <laughs> Il a l'âge de, de Tom Cruise oh, je... Mission je... Je impossible, impossible 4. Là, tu prends Tom Cruise dans Ghost Protocol. Ah, mais Tom Cruise, c'est l'âge de Ferrell, Rimley. Je pense cas. que Tom Cruise, il se fait un marathon dans la piscine de Cocoon tous les ma matins, midi et soir. Je le vois bien sur un, un tapis électrique, tu sais, avec un masque <laughs> et puis à courir. Dans la, à courir dans la piscine comme ça, tu sais. sais et c'est marrant. Hein et les autres ont vraiment l'âge de leur ouais. personnage. Alors, Dona Metz, qui a eu l'Oscar du second rôle pour ce film, c'est un monsieur qu'on a vu chez Frank Capra. Euh, Jessica Tandy qu'on a, euh, ouais. euh, qu a vu donc dans Miss Daisy et son chauffeur hein, c'est là où les la jeune génération l'a découverte, mais on l'a vu chez Alfred Hitchcock euh, Hume Cronin on l'a vu dans Cléopâtre notamment donc euh, c est, c est, euh, voilà ce sont des acteurs c'est comme si qu'aujourd'hui tu faisais un Alors, film avec euh, je sais pas avec Vanessa Redgrave par exemple ouais. euh, tu vois ou Jean Ackman ou Morgan Freeman ouais. tu vois c'est un peu un, pour reprendre un peu des profils ça, équivalents cette génération ouais pourquoi c'est loin Parce que Misez-Yé, son, son chauffeur, dans le genre film de vieux, ça se pose là aussi. Ouais. <laughs> c'est vrai. Ouais, ouais, vrai, vrai. vrai. Par contre, dans la mèche, moi, je me souviens, j'avais trouvé que ça, c'était dans Un fauteuil pour deux, si je ne me trompe pas. Exactement. La dette de deux. Deux. Ouais. Ouais, Il est, est excellent. Alors, cool. y eu, euh, Cocoon, il y a eu, suite à et sa carrière a eu un revival. Tu vois ouais. On l'a vu aussi dans Bigfoot et les Anderson. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, les acteurs, les actrices du film euh, épousent la position de leur personnage, c'est-à-dire bah, c'est une génération euh, bah, qui retrouve une nouvelle jeunesse. Et moi, de prime abord, c'est ce qui m'émeut dans Cocoon, c'est cette bande de bande de vieux quoi qui voient la mort approcher et qui ont envie de bah, de remettre une pièce quoi, de oh. une pièce et de continuer à danser quoi. En fait, c'est ça. Moi, je trouve que les questions que soulève le film sont passionnantes. Mmh. Le souci, c'est que, ben, comme à chaque fois que Ron Ward s'attaque à un sujet qui est beaucoup trop ambitieux pour lui, euh, il, il commence à peine à y répondre, quoi, parce qu'il n'a pas les moyens, euh, même pas d'y répondre, mais en tout cas de soulever des propositions qui peuvent, tu vois, tracer des voies, quoi, tu vois. Euh, comme tu dis, il y a des trucs cool dans hein, Cocoon. C'est quoi, genre, c'est quoi la vieillesse, par exemple est-ce que grosso modo c'est un état d'esprit ou alors c'est juste ton corps qui ne suit plus ton état d'esprit et du coup ben, le reste détaillé quand tu vois. Qu'est-ce que la mort Comment est-ce que tu peux vraiment t'affranchir et t'affronter la mort Est-ce que tu peux te permettre d'envisager un, de, un, un de là Qu'est-ce que voilà Qu'est-ce euh, qu qu'à euh, avoir cet effet Benjamin Button où tu retrouves ton corps, en fait, euh, tu sais, euh, voilà, quoi, bah, tu, 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 tu fais l'inverse de l'horloge, en fait d'un mmh, coup tu remontes, ouais. tu remontes un peu le temps tu retrouves une énergie qu'est-ce que tout ça quoi tu vois et le problème c'est que Koukoune... alors je miserai moi personnellement on, on pourra toujours m'avancer la relative inexpérience de Ron Howard derrière la caméra à l'époque ouais. mmh, mais mais il changera jamais fondamentalement de style il... c'est très sage cocoon hein, c'est très ça c'est de vieux c'est ouais. filmé platement ah ouais. euh, c'est très académique, hein. je te, te l'accorde volontiers. Hein. C'est un et... film qui est. Et, et, et on parle de Zemeckis en, en ce moment. Ah. Hein. C'est un ouais. film que, que devait faire Zemeckis, qu'on lui a retiré suite aux pro projections tests désastreuses du Diamant Vert, mais qu'on lui a reproposé suite au succès du Diamant Vert, mais qu'il a refusé. Un coucou, il est finalement un film que Zemeckis a, a refusé. Gageons qu'il aurait fait quelque chose de plus intéressant. Je pense que euh, pas c'est pas présomptueux de mettre une pièce dessus. Ouais. Vraiment, hein, du mmh, moins en termes de facture et en termes mmh. de, de, de classe, hein, tout simplement. Là, C'est vrai que le film a pris un coup de vieux à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi. Je te rejoins totalement. Alors, ce qui lui donne encore plus le coup de vieux, c'est euh, la présence de, de cette bonne trogne de Steve Gutenberg. C'est ça. En plus, <laughs> je l'adore. Oui. Hein? C'est pareil, pareil, Steve Gutenberg. En fait, euh, <laughs> je l'adore Steve Gutenberg. Mais... Moi aussi, je l'adore. <laughs> c'est un, un acteur vieux. J'ai <laughs> toujours trouvé que c'était un acteur vieux. C'était le. Ah, c'est oui. un, peu... bah, un peu comme. Euh, il me fait... En fait, Steve euh, Gutenberg, pardon, me fait le même effet que Ward quand je regardais dans Pides, il faisait le même effet que Kev Adams quand je regarde chez Michel Truquier. C'est des vieux, euh, c'est c'est des jeunes pour vieux en fait. C'est des jeunes qui sont apprivoisés par les tables de troisième âge. Tu sais, qui s'assoit à côté de mamie, qui lui coupe <laughs> sa viande, qui est à jouer au Scrabble, tu sais, qui lui lit le programme télé, qui regarde euh, ouais. les chanteurs, les gars, je Chantal Goya avec elle. C'est un surveillant de maison de retraite, c'est ça et Oui, c'est ça. Ils sont des tronches. Il y a une tronche de surveillant. J'aime bien, mais il y a une tronche de survie de maison de retraite. C'est dangif comme ça. Il a du oui. champ. Mais à je vois poste... ce que tu veux dire. C'est celui ouais. voilà, qui, qui organise les parties de bonto euh... ah, mais oui, <laughs> les parties celui... de bingo. Bingo, ouais, mais clairement, ouais, c'est ça, tu sais. Et puis, des petites vieilles, elles vont fantasmer un peu dessus, du genre, tu sais, c'est comme le présentateur BTO tu sais sur France 2, Laurent Rouchemco, c'est pas de quoi. Oh là là Laurent, j'en pas bien dans 4 heures. Hein ah Oh ah, là là Steven, Steven, Steven <laughs> Tu veux dire que c'est le jeune mal mais ouais, mais... qui oui, fait fantasmer les, les femmes âgées grave, Ah, t'es dur, ah, t'es dur. Mais hein. grave, j'aime bien, ah, ouais, mais pourtant, ouais. j'aime bien, je suis attaché à lui. Ah, ouais, Et... je, vois que tu, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux est... dire, est-ce que t'es là euh, alors, c'est vrai que, il a alors, bien sûr, il sera éternellement connu devant l'éternel pour sa particip participation hein, bien sûr, à la saga euh, Police, Police, Academy. Police Academy 12. Là, je sais plus combien ouais. ils en ont fait. Et alors, c'est un film pas classé sous le signe de l'affiliation, de l'héritage, de, de la famille, parce que Renaud Ward est un enfant de la balle. Euh, comme d'habitude, il fait jouer son frère Clint Howard. Et. Euh, il est le fils de Rance Howard, acteur okay. également, qui joue dans le film. Euh, il y a sa maman qui joue dedans également. C'est produit par Richard Zanuck, fils mmh. du grand producteur Daryl Zanuck. Ouais, okay, ouais. Il y a devant la caméra la sublime Tani Welch, mmh. fille de Raquel. Oh, putain, ouais, mais oui, elle, elle disait quelque est, chose. Elle, elle a un dos, t'as vu son dos Elle a un dos en mais gris. Mais et c'est ce que je me suis dit. malinguette elle est magnifique, elle est oh. tellement belle qu'elle me fait souffrir. Tu really crois vraiment qu'elle peut venir de l'espace, tu c'est vraiment la présence surnaturelle. Oui, tout à fait. Et euh, alors, il y a Tani Welsh et puis il y a la montagne. La montagne, le rock. Ah. Brian Denei. En termes de pilier Alors, lui, t'as vu. Ah. En termes de pilier, lui, c ah. pas... il ne tient pas les murs de la maison, il tient les murs du château. C'est clair, moi je l'adore. Lui, lui, voilà, avec Tani Welsh, il participe. Et puis ah. le cast euh, euh, donne un, un, un métier, il participe à donner un peu de. Je trouve qu'ils sauvent le film. Ils oui, sauvent le film. Oui. Oui, C'est eux qui sauvent le film. Et alors, ils sont assistés. Ils ont deux, les, les Antariens, ils ont deux assistants qui ne parlent jamais quasiment. Euh, un blond et puis un brun. Alors, le brun est le fils de l'acteur Tyrone Power. D'accord, ok. De l'âge d'or hollywoodien. Ah, ah, ah. Tyrone Power Junior. Et donc, voilà. On... Et, et, et pour finir sur le côté familial... La maman du petit Barrett Oliver, il y a aussi Barrett Oliver, l'enfant des années 80, qui sortait de Daryl, l'histoire sans fin, bien évidemment. Sa maman est jouée par Linda Harrison, mmh. qui jouait dans La planète des singes, okay. avec Charlton Heston, la jeune femme brune. C'est Linda Harrison. Alors, Linda Harrison, il faut savoir que c'était l'ex-femme de Richard Zanuck à oh. l'époque. Ouais, et ouais. Richard Zanuck coproduit le film avec David Brown et sa nouvelle femme, Lily Fanny Zanuck. <laughs> tu l'ambiance On dirait du cinéma français. <laughs> c'est clair. Donc il y, y a son ex-femme devant la caméra et ouais. sa nouvelle ouais. femme <laughs> derrière la caméra. C est, c est, ça m'avait euh, un ouais, peu, peu fait sourire. Ouais, ouais, quand même, quand même, même ouais, c'est clair. Mais, mais tu as raison. Hein. Euh, et et tu, tu remarqueras que c'est récurrent dans la carrière de Ron Howard. Mmh. C'est systématiquement ces acteurs qui te font, qui arrivent à te faire croire que tu es en train d'assister à un film bien plus élevé que ce que tu es en réalité en train de regarder, parce qu'ils arrivent à te faire, parce que les mecs qui te sortent des prestations de, de classe A euh, dans un, et qui te font croire que l'académisme propre, sage et surtout riskless, sans risque de Howard, en fait. C'est une proposition de cinéma classique au milieu américain, comme tu pouvais en trouver il y a 30-40 ans. Quoi, tu vois. Ouais, et C'est très, ouais. très récurrent chez lui, en fait. Et, et ça se manifeste déjà là-dedans Et c'est très ça. sage. Hein. Alors, la suite de sa carrière, notamment avec euh, le, le travail avec son chef op euh, Anthony dodd mm. il a fait euh, parmi ses meilleurs films. Moi, j'aime bien Renoir. Hein. J'aime beaucoup Renoir. Il a fait des films vraiment intéressants. Mais Anthony dodd Mantle avec, avec qui il a fait euh, frost Nixon, il a fait euh, le film sur euh, la Formule 1, j'ai oublié le nom. Euh, oh. Rush. Rush, euh, le film euh, Au cœur de l'océan. Voilà, il, a, il a eu des films qui, 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 là, pour le coup, formellement, étaient très intéressants. Mais là, c'était vraiment grâce à son chef op Là, dans Cocun, il y a des plans, on voit les micros, le micro perche. <laughs> euh, a... Alors, aux deux tiers du film, il y a une voix-off. Il y a une voix-off. Mm -hmm. Où tu as Brian Deney qui récapitule l'histoire, mais c'est une voix off qui débarque là, comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ça, tu sens la voix off rajoutée en post-prod. Ouais. Parce qu'une voix off, tu, tu l'introduis. Euh, mmh. ouais, là, ça. tu sens vraiment, euh, bon, merde, euh, les spectateurs n'ont pas trop pigé, donc on va. Mais non, mais. Mais c'est difficile de comprendre en fait, hein. je trouve. C'est hein. vrai, tu sais, est... Ouais. il est un peu compliqué leur plan. Ouais. Ah, c'est clair, mais c'est un, un film qui se traîne hein, vraiment. C'est marrant parce que tu sais, t t avais un autre film qui se passait dans une maison de retraite euh, qui s'appelle Booba au TEP avec Bruce Campbell. Oui, 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 et aussi, il ouais. y a Bruce Campbell qui jouait Elvis Presley oui. qui, euh, qui, était, qui a fait croire euh, la, le, au monde. Euh, la mise en scène de sa mort, mais qui en fait se retire dans une maison de retraite, donc on le découvre vieux. Il y a aussi fils juniors qui joue John Fitzgerald qui est noir. Et en fait, tous les deux ils doivent combattre une momie qui, euh, qui décime la maison de retraite. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un film qui est vraiment adopté sous un point de vue neurasthénique, c'est-à-dire c'est un film qui est super lent, mais cette lenteur est pensée pour vraiment correspondre tu vois, à l'état d'esprit des personnages. Quoi, tu vois. Donc, c'est un, est, est, est un film dont la lenteur est pensée et réellement penser pour être un facteur de rythme, en fait, tu vois. Tandis que. Ouais, je vois tandis ce que, que dans... tu veux dire. Tandis, tandis que dans Cocoon, mmh. euh, c'est juste anti-rythmique. C'est vrai, c est c est vrai. Juste, vrai que ça se traîne. C'est vrai que ce sont les vraiment c'est le cast. La qualité des effets spéciaux pour lesquels le film a, mmh. a eu un Oscar, mmh. c'est vraiment le cast. Et puis, il y, y a des belles scènes. Il y a, y a des très belles scènes, notamment entre Wilford Brimley et Barrett Oliver quand ils quand il pêchent. Euh, quand Wilfred Brimley et sa femme quittent ils ont dit au revoir leur, ils ont dit au revoir à leur fille et il y a une très jolie scène dans la voiture quand ils s'en vont well, I voilà il y a, y a des, vraiment des très belles scènes mmh. euh, et en fait Cocoon j'ai fini par le voir comme euh, parce que Antares Antares euh, Brian Deney en parle comme euh, il dit que c'est une planète où vous ne serez jamais malade vous serez heureux éternellement c'est ça ressemble au paradis quoi mmh. une espèce de paradis quoi et mmh. Cocoon j'ai fini par le voir comme une allégorie sur la mort Mmh. en fait ils sont morts mmh. ils sont morts d'ailleurs ils quittent la terre dans un bateau qui, qui est élevé vers le ciel hein, ils vrai. montent au ciel à la fin tu vois ils oui, sont accueillis par une lumière c'est très voilà je veux dire les, les, les motifs sont là quoi. tout est fait pour te faire croire qu'en fait euh, moi j'ai fini par le voir en fait ils, ils, ils sont morts ils la sont terre, morts la terre c'est purgatoire gard... gard... et puis a ça. à la fin plus, tu parles, tu ouais. et quand tu le vois comme ça bah tu, le film a voilà une autre, save, une autre saveur. Moi, j'aime beaucoup Bernie. Bernie qui décide de rester. Mmh, ouais. Il est beau ce personnage. voilà Lui aussi, il a des belles scènes, notamment avec son épouse. Ce sont tous ces moments-là qui font pour moi le prix de ce film. Bah, tu vois, euh, je crois que tu as raison, mais je pense aussi que le l'écueil du film, mmh. c'est la capacité de Howard à vraiment... Mettre ça en scène, en fait, même de manière sous-jacente. Ouais. Et je pense que, du ce modo, c'est plus toi, en fait, qui, qui a à charge de faire le film pour comprendre le scénario, plus que Ronald Warren ne comprend vraiment ça dans le scénario à travers sa mise en scène. Parce que ton, interpr cette interprétation, pour moi, c'est la seule façon euh, d'accepter ce que Wilford fait à la fin, c'est-à-dire monter avec, ce, avec sa femme chez les extraterrestres et laisser son petit-fils euh, qu'il adore tu sais, sur Terre. Euh... Ouais. presque bah, bah, il l'abandonne en fait contre coeur ouais, il l'abandonne il l'abandonne ouais, vraiment... littéralement c'est un dur, abandon hein, ouais. c'est un abandon et, et ça, putain il arrive presque à te rendre le personnage. Le Wilford antipathique, quoi antipathique enfin, c'est chaud quand même pour ouais, arriver ouais. à ce point là et, et ça cette interprétation là c'est la seule façon de comprendre ce qui de comprendre le fait qu'il laisse son petit fils derrière lui parce que le problème c'est qu'avec la mise en scène il neurasthénique, etc., de Ron Howard, bah tu vois juste un papy qui, qui veut aller euh, vivre la vie éternelle, parce qu'il euh, vit la vie éternelle, au détriment de son petit-fils qui lui abandonne la langue. Ouais, je suis, je suis d'accord, c'est vrai que, tu l'as dit, on va, on va le redire, ça manque de souffle, hein, en termes de, de, mmh. de, de, de mise en scène, c'est filmé au premier degré, et, euh, et encore une fois, voilà c'est sauvé par tous les éléments périphériques à la mise en scène. Mmh. Sans oublier la musique, la musique de James Horner, Ouais. Bon, pour moi, c'est l'une de ses plus belles partitions. Chouette, hein. euh, James Horner, qui collabora beaucoup avec Ron Howard, euh, la musique là précisément sur Cocoon avec le cast, pff, fait monter la sauce. Ouais, Parce oui. que euh, euh, Ron Howard, c'est euh, James Horner, pardon, c'est le compositeur de la mélancolie. Ouais. Hein, c est c est vrai. Des, dans cette veine-là, hein, c'est le meilleur. Hein la mélancolie, et je trouve que cette euh, tonalité s'y est parfaitement au film quoi. Complètement, complètement. mais Morde a toujours très bien su s'entourer ouais, sûr, sûr. c'est pour ça que ce mmh. film avait toujours des factures de, euh, des factures qui pouvaient rivaliser avec les tableaux de maître euh, auxquels il essayait de, de prétendre mais bon, tu voyais bien qu'en réalité derrière, euh, voilà quoi, il suffit pas, il suffit pas pas d'avoir les meilleurs passos et la meilleure peinture du monde pour faire un tableau de Il faut, vrai. Aussi, faut aussi un regard, celui de Ward. Là, ouais. il y en a pas en l'occurrence. Voilà, c'est ça. <laughs> il y a pas de regard, c'est juste. Ah oui. Il filme les pages du, du scénario et. Oui, c'est ça, c'est l'illustration. Euh, mais comme tu dis, voilà, c'est l'illustration. Mais comme tu dis, heureusement qu'il est, en... il est très bien entouré. C'est ça. Nicolas Cage était pressenti non. pour le rôle de Steve Guttenberg oh putain <laughs> oh, de... oh, oh. avec Nicolas ah, mais... Cage ah, bah, ça aurait été tellement mieux là il y aurait il y aurait gagné deux points directs ah non mais voilà ça, là on serait dans une autre dimension <laughs> peut-être qu'on fera un remake de Cocoon avec Nicolas Cage vieux on va savoir ah, pourquoi pas alors plutôt que de faire une suite à volte-face voilà ah, fr... bah, enfin, un remake ah. utile quoi, tu vois. Qui, qui, euh, voilà, un, voilà un remake là qui, ouais, qui mangerait pas de pain hein. pourquoi pas Cocoon mm. euh, alors il y a une suite très dispensable il euh, y a une suite en 88, trois ans après. Euh, c'est vraiment très dispensable. C'est les suites euh, dégueulasses, comme on pouvait ouais. en faire à l'époque, c'est-à-dire au rabais, ouais. avec tout un tas de plans récupérés du premier film, notamment les plans à effets spéciaux. Oh, on se dit, ça. bon, on va réutiliser les effets spéciaux du premier film. C'est très dispensable, c'est nul. Euh, là, il faut vraiment oublier la suite et, euh, et rester sur, euh, sur, le, sur le premier film. Ça, Alors. C est... C est... En plus, c'est typiquement le genre de film qui n'a pas eu un succès fou à sa sortie. Par contre, il s'est tapé son petit culte en VHS, en, à la en, en TV et tout ça par la suite. Et là, t'as des mecs qui se sont dit Ah putain, mais ça a marché on va se faire des bichetons dessus. Il y a moyen. Tu sens vraiment, ouais. Alors, euh... il, il a quand même pas trop bien, mal marché. Il a fait, il a fait 90 patates, ah, ouais, quand même. 80 ouais. millions de pesos au box office que pour l'époque est fort honorable. Ouais. Il est arrivé, je crois, 7e ou 8e au box office US de l'année loin derrière Retour et Futur, mmh. euh, d'où la, mis la mise en chantier d'une suite. Euh, là encore, voilà, un film en dessous de son sujet par le traitement, mmh. mais transcendé par ses acteurs, mmh. sa musique. Alors, Barrett Oliver, on en parlait tout à l'heure, un garçon qui a une... C'était un peu le Macaulay Culkin des années 80, hein, toute proportion gardée, sauf qu'il a quand même mieux tourné que Macaulay Culkin. Barrett Oliver qui, euh, il a fait trois, quatre films et puis voilà, terminé. Ses parents l'ont retiré du business parce qu'ils voulaient pas que leur fils soit exploité. Et vu, vu, vu tout ce qui est sorti sur Hollywood récemment, il a bien fait. Et ouais, il a très très bien, ils ont très bien fait. Et alors aujourd'hui, il est photographe. Barrett Oliver est photographe, il est méconnaissable et voilà, il vit heureux en tant que photographe. Cocoon, quand il pense bien, aujourd'hui, ça, ça fait vraiment fantasme dégueulasse de boomer. quoi. C est, c est, tu ferais le remake aujourd'hui, tout ce que tu ferais, c'est chez des boomers, d'accord Les gars, ils t'ont saccagé, ils niqué la planète, et puis une fois qu'ils en ont marre, ils, ils se disent Bon, allez hop, on se tire, on va dans l'espace, <laughs> et puis on laisse, on laisse les. On les, on les, on les on laisse les autres se démerder avec la merde qu'on a foutu derrière nous c'est un à... on peut le voir comme ça aussi c'est ah, mais je dis moi pour moi Cocoon aujourd'hui alors c'est pas donné 80 mais aujourd'hui c'est devenu un fantasme de boomer dégueulasse j'en suis persuadé il faudrait ouais, tu, ouais, fa... ouais. tu pourrais faire un Comédico aussi comme ça puis tu aurais Jeff Bezos qui dirigerait Brian Deney serait joué par Jeff Bezos <laughs> ou Elon Musk tu sais il faudrait faire ça c'est tous les vieux qui en ont marre de, de l'environnement qui sont niqués c'est bon, vous êtes <laughs> sauvés. <laughs> Cocoon est encore aujourd'hui un film bourré de défauts, mais qui a encore énormément de, de charme. C'est clair. Mon Guillaume, voilà. un grand merci. Un grand merci à toi. Et nous, on, on vous garantit qu'on continuera à faire des heures, des heures magiques en maison de retraite. <laughs> Dans une piscine en sport, d'accord. <laughs> Tiens, faudrait enregistrer, enregistrer un show dans une piscine un jour. Juste, ouais, ça cool, faudrait ça. voir là. Hein, faudrait voir si euh, c'est possible techniquement. Ben, hein? Je pense que c'est ouais, possible. Ça serait sympa. Ça. Euh, on pourrait faire comme Renaud des de On voit dans les banlieues une maison de retraite, tu sais. Avec oui. On on faire faire avec, avec deux mamies, avec deux mamies qui <laughs> comme ça, tu sais. Les Harquelles, -les, mmh. les, les du troisième âge. <rire> <rire> Cette émission part en couille. Oui, les amis, oui. à bientôt. Mon Guillaume, à bientôt. À bientôt, mon Fouad. À bientôt, les gens. À tout à l'heure.